C'est bon. Donc bonjour à tous, aujourd'hui ça va être la prépa physique. Alors la prépa physique que je vais vous proposer aujourd'hui pour les benjamins minimes, elle peut servir d'échauffement lorsque vous ferez des têtes de Kurenchu Atemi ou des têtes de Kurenchu Judo ou des têtes de Kurenchu Atemi Jiu-Jitsu Combat en associant les deux. Hein, et puis je ferai aussi des têtes de Kurenchu sur des habiletés au sol. Alors là on va démarrer par 5 exercices qu'il faudra faire 6 fois à raison de 20 secondes, 10 secondes de récupération. Et une fois que les 5 exercices sont terminés, ben, il faudra le répéter 6 fois. Ok, donc on va démarrer par simulation de course. Je vais faire des montées de genoux tout en augmentant le rythme et en tirant sur les coudes comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 20 secondes de squat. Ce qui est important, c'est de veiller à avoir le dos bien droit. Donc, n'hésitez pas à vous servir des mains comme ceci et hop, et on remonte. Veillez à avoir le dos bien droit, voire même l'horizontalité du regard. Évitez de regarder par terre. Ensuite, on reprend, montée de genoux. Voilà, donc après à vous de faire en sorte de démarrer d'une certaine vitesse et finir à la même vitesse ou accélérer les montées de genoux. Ensuite, on va faire des pompes balancier. Alors, pourquoi balancier? Ça permet d'effectuer de vraies pompes, mais en s'aidant avec les tibias. Donc, on est là, je remonte les jambes, et à chaque fois que je vais faire l'extension des bras, hop, je vais mettre des tibias. Ce qui fait que ça me permet de m'alléger, mais un peu moins que si j'avais les genoux au sol. Donc je monte de ce côté là, donc on est là, je monte les tibias comme ceci, et quand je pousse sur les bras, je m'aide comme ceci. Ça permet de faire des pompes complètes avec l'aide des tibias. Et ensuite on va faire la planche touche épaule, donc hop, ici. Voilà, je monte de ce côté. Donc voilà, c'est parti. Thank you.
fin du premier tour. Fin du deuxième tour. Fin du troisième tour.
fin du quatrième tour. Fin du cinquième tour. Et enfin, fin du sixième tour. Donc là, on va passer au thème de Kurenshu. Donc,
Pour aujourd'hui, on va faire 4 séquences d'ATEMI et ensuite on fera 4 séquences de judo. Donc, ce qu'il va faire, on va essayer de faire une séquence d'ATEMI de 3 séries. Donc, il y aura 3 fois 4 techniques d'ATEMI. Et puis, il va y avoir pareil, 3 fois 4 techniques de judo. Donc, je vais démarrer pour la première séquence. Donc, juste les ATEMI. Donc le premier c'est Maïté, il vient toucher et on ressort. Maïté, il vient toucher et on ressort. D'accord. La deuxième technique, on repart sur Maïté, comme ceci. Maïté, Gyaku, et volontairement on va frapper sur Mawashi jambe arrière pour ensuite reposer. On comprend. Maïté, Gyaku, jambe arrière, reposer. Ensuite, on va reprendre ce mouvement qu'on a vu assez souvent. Urauchi, Yokogeri. Reprends Urauchi, Yokogeri. Et ensuite, on va être comme ceci. Et je vais appliquer Eito à gauche, Gyaku à droite. Eito à gauche, Gyaku à droite. Voilà. Donc on va faire 3 fois ces 4 exercices. Le temps, 20 secondes, 10 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, première série terminée. Yeah.
Deuxième série terminée. Troisième série terminée. Donc là, on va enchaîner 4 techniques de judo. Pareil, hein, 20 secondes, 10 secondes. Donc la première, c'est Ippon. Donc soit on fait à droite, soit on peut faire à droite et à gauche. Donc là, à droite. Sinon, on peut faire à droite et à gauche. Droite et à gauche. Voilà. Deuxième technique, Taiyotoshi. Flexion, pivote, barrage. Flexion, pivote, barrage. Flexion, pivote, barrage. Ensuite, Ochigari. Donc, je rappelle, on fait un arc de cercle, on vient frotter l'orteil au sol et on pousse dans la direction où l'on fauche. On montre. Ici, je pousse dans cette direction. Pour Ochigari et au Sotogari. Donc j'avance les jambes gauche, balancier et je reviens. Donc il y a un travail d'équilibre et de placement. On fait bien l'action de faucher et balancier. Voilà, on va démarrer. Vous êtes prêts? C'est parti.
Voilà, premier tour terminé. C'est parti. Deuxième tour terminé. C'est parti. Et enfin, troisième tour terminé. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël, passez de belles fêtes et revenez en pleine forme pour la rentrée.